Madame la ministre de l'Entrepreneuriat national, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation ministérielle, Monsieur le représentant de FIDA, Madame la gouverneure de la région de Sikasso, Messieurs les responsables, Monsieur le représentant du gouverneur de la région de Bougouni, Monsieur le gouverneur de la région de Koutchala, honorables membres du CNT, Monsieur le président du Conseil régional de Sikasso, Madame et Messieurs les sous-préfets et préfets ici présents, Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les responsables, les partenaires financiers et techniques, Messieurs les membres de l'autorité coutumière et traditionnelle de Sikasso, Messieurs les chefs de quartier, Mesdames et Messieurs du monde rural, chers jeunes, chers tous, en vos rangs et grâce à tout protocole observé, bonjour. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole ici au nom du maire empêché et au nom de toute la population de Sikasso pour vous souhaiter la bienvenue à Sikasso, cœur du Guénédougou, pays de résistance. Nous avons toujours dit plutôt la mort qu'à la honte ici à Sikasso. Ceci dit, Monsieur le ministre, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est d'une importance capitale pour nous, car il s'agit de notre base arrière en termes d'autosuffisance alimentaire et en termes de sécurité. Initier un projet pour les jeunes ruraux pour nous, nous pensons que nous devons vous dire merci. Merci pour avoir choisi Sikasso, la cité du Guénédougou, pour ce lancement. Monsieur le ministre, nous parlons de deuxième phase. Il fallut que la première phase existe. C'est pourquoi je voudrais remercier et féliciter tous ceux qui ont passé à la première phase et remercier et féliciter par anticipation tous ceux qui participeront à la seconde phase. Ici, à Sikasso, nos jeunes ruraux, nous tous, nous sommes en train de ruminer deux mots, Monsieur le ministre, dans notre langue nationale. Il s'agit de pagnon, il s'agit de moadia. Voilà ce que nous disons, Monsieur le ministre, ici. Votre présence est un bon signe à Sikasso, parce que la pluie vient de le magnifier. Et pour nous, nous voulons saisir votre présence, qui est un bon signe, pour vous dire encore une fois qu'ici à Sikasso, nous allons fournir tous les efforts qu'il faut pour la réussite de tout ce qu'on fait pour le Mali. Nous voulons aussi remercier le gouvernement du Mali pour les efforts consentis pour la stabilisation du pays. Aussi remercier avec une mention spéciale à son Excellence colonel Assimi Goïta, président de la République du Mali, pour tout ce qu'il fait pour la stabilisation, la sécurisation de notre pays. Encore une fois, merci et agréable séjour à Sikasso. Bonne journée.